Yo tout le monde, c'est Tia, bienvenue pour ce nouvel épisode de Rome de Total War. On joue les jettes et on s'était débarrassé des Grecs. Ah ouais, ça me met le sourire. Ça me fait bien sourire. C'est vrai que ça a pas été facile à tous les moments. Comment on dit déjà, c'est pas tout le temps été facile. Ouais, c'est mieux comme ça. Notre prochaine destination, c'était l'Est, sachant que le Nord est plus ou moins, je dis bien plus ou moins sécurisé. Ou alors j'aimerais bien aussi aller à Zamizegetsua. Il faudrait que je rompre les traités, etc. Et c'est un peu embêtant. Ok, je peux faire une nouvelle techno. On va faire sentier en bois. Fabricant de trompette, c'est parfait. Au niveau de la panonie, on peut faire quelque chose. Non, rien d'intéressant. Oh, si la panonie, on peut recruter le tour prochain. Ça va bien. Ok, ouais, c'est pas ouf. Hein. Allez, ferme bovine. Au niveau des armées, toujours faire attention à Ponte qui est dans le coin. Mon espion il arrive pour aller à Knossos. Une fois mon espion à Knossos, on aura tout. Ah mince, comment ça s'appelle déjà? La région avec. Avec Sparte et Athènes. Hellas, ouais c'est ça, Hellas. On aura tout, hélas. Oula, il serait pas un peu pestiféré, hein, Théa, hein. Ah ouais, si, totalement, ils y étaient. Hein. Et là, les gars, on peut recruter nos nobles bretteurs. Il y a quel âge, mon général, que je regarde? 64 ans. Ça embête un peu de recruter tout de suite, en fait. Je vais être honnête, hein. Dans le sens où je préfère faire tout simplement développer mes autres régions pour qu'elles me rapportent plus d'argent. Et c'est ce que je vais faire. Allez. Ok. Ici on va faire. Ouais. Ah, le bonheur public il est en basse. En baisse. Waouh, en basse. Eh ben. On va faire une colonie fortifiée. Ah, on va pas faire une colonie fortifiée. J'ai oublié que je venais de prendre Aréminium. On va quand même se méfier de lui, hein. Oula, attends, il s'entend très mal avec quelqu'un qui est là, ce serait quand même pas à Carthage qui aurait. Ah, peut-être les Arvernes. Ah, ça m'étonnerait pas que ce soit les Arvernes qui soient par là. C'est un truc qui arrive souvent, ça. Les Arvernes qui se baladent et qui vont dans la péninsule ibérique. Allez, hop. Tac. Voilà. Lui, j'ai vu qu'il était presque arrivé. On va aller embêter le ponte. Jusqu'à où ça va? Oh, bah dis donc, ça va loin. Allez, on va le mettre là. Ah, dommage, il manque pas grand chose pour avoir la vue. Allez, volons de la nourriture. De toute façon, ils en ont pas besoin. Un peu quand même, je crois. Non. Ah non, il est pas déjà mort. Non, déconne pas, j'en avais besoin pour faire du recrutement. Ah mais la poisse, il est mort à 65 ans, il est mort ultra jeune. Ah non.
Oh, j'ai rien dit. Écoutez, je me suis pris un petit coup de flip. On va recruter les unités de bretteurs. Les nobles bretteurs. 78 d'attaque en mêlée. Hein. Elle était comme 0. Hein. Ah ouais, c'est. Ouais. Pas mal du tout, même. Knossos est-il encore allié avec quelqu'un? Non. Ouais, donc on va y aller tranquillement. Wouah! 3600 pour 4 unités. 900. 900 l'unité, ça me coûte là l'amélioration. Ah, c'est un peu cher là quand même. Combien pour le tout là? 2 tours et demi de PIB. Hein. Ah ouais, d'accord. C'est. Ouais, c'est 2 tours et demi de PIB là. C'est cher. Oh la vache. C'est très cher. Trop cher même. Ces gens dérangent même les dieux. Je vous en supplie. Marchez contre eux avant qu'il ne soit trop tard. À faire ça. Voilà, là on peut. On a pris le temps. Non, je sais pas. Ça m'intéresse pas. Hop. Voilà. Affamons-les. On va se déplacer quand même rapidement. On sait jamais qu'il y a une petite flotte ponte pas très loin. Ça peut poser problème. Ah, j'ai un espion. Ah, j'ai quelqu'un ici. J'ai un champion. Ah ouais? Putain, j'ai une championne, je l'avais oublié, dit. Ça fait combien de tours qu'elle est là? Je sais pas depuis combien de tours elle est là, mais elle doit bien s'ennuyer. Désolé. Désolé, madame. C'est pas faux, madame. Je suis pour rien, madame. Demoiselle, madame, je sais pas. Au choix, tu choisiras. Ok. Ok. Puis ce que je vais faire, on va en profiter aussi. Voilà, pour ceux qui sont. Pour ceux qui regardent les vidéos, n'hésitez pas à me donner des noms d'armées. Donc, correct, si possible. Voilà, je renommerai une armée avec. Avec les noms qui auront été proposés et intéressants, bien entendu. Les élus de Mithriade. Bon, je ne devrais pas trop m'embêter. Ah, j'en ai que 5. Ah ouais, c'est faible ça. Ah, donc j'ai bien fait. Est-ce qu'il meurt de faim, lui? Ah mince, il meurt pas de faim. Allez, tranquille, voilà. Sérieux? Il s'est passé un petit problème là. Je crois qu'il y a eu comme un petit souci. Hein. Je suis pas sûr. Allez. Je vais recruter plutôt une petite armée. Sparte. Ouais, au niveau de Sparte. Ouais, quelques mercos, hein, mais rien de bien méchant. Petite mercenaire, ça peut coûter très très cher en tout cas. Voilà, ça me coûtera moins cher. Ok, en Pannonie, on va recruter, on va faire un hall des champions. Avec les boucliers insaisissables, on va se diriger au niveau de Larissa. Voilà, si jamais ils veulent s'attaquer à Larissa, et si jamais ils prennent Larissa, les pontes, eh ben, on reprendra directement. D'ailleurs, les Ligues Étrusques, ils sont toujours pas... Ils sont toujours pas finis, eux. C'est fou, ça. Je penserais qu'on s'en serait débarrassé depuis le temps. Bon. Bingo, j'ai bien fait les emmener à Larissa, vous voyez pourquoi. Voilà. Faction détruite. Ah bah voilà, il suffisait de demander, en fait. C'est génial. Putain, je demanderai beaucoup de choses la prochaine fois. Ouais, voilà, c'est Rome qui s'en est chargé. Cool.
Cool. Ordre public, influence, ça c'est bien ça. Hop. Enclos à bétail, parfait. Surplus de population, oui, mais on peut pas. C'est fou, ils veulent pas mourir de faim. On va débarquer. Hein. Action rencontrée, Rod. Comment je m'entends avec Rod? Ouais, je vais pas bien m'entendre. Donc Rod est en guerre contre Pergamon, putain, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'ils sont pas unis. Donc ça vaut le coup peut-être de s'allier avec Pergamon. Ah bah ça y est, il a fui là le Ponte. Et il voit une petite armée, il fait ah. Faire une embuscade, on va tenter l'embuscade hein, d'ailleurs. Hop. On va faire l'embuscade. Alors, ça marche. On fait l'embuscade. On essaie de faire une embuscade sur l'armée de pont. Au niveau d'un pont, c'est quand même beau ça. Eh, si ça fonctionne, c'est magnifique. Si ça fonctionne pas, on dira que c'est faux, t'as pas de chance. Voilà. Dicom. Ouais, vas-y. Ok. Je vais bien me mettre là. Mon but étant de me fortifier le tour prochain et faire en sorte qu'il m'attaque. Bon, vous la connaissez, hein, vous connaissez la chanson. Ah bah voilà, on fait une bataille à relief prairie. Ils sont pas drôles, hein, ils ont pas compris le jeu de mots. Oh zut. Non, c'est parfait. Un peu d'esclaves. Voilà, et on va aller chercher accès militaire. Demander d'argent demande beaucoup d'argent par rapport à ce que je gagne, donc non, c'est hors de question. Ouais, elle a mouru. Ah, j'ai louché, autant pour moi. J'ai cru que j'avais des balistes et des trucs comme ça. J'écouterai. Allez. Je ne saurais dire combien d'attention demande des affaires. Voilà. Je peux finir mon vin. Toi, tu peux surtout dissoudre tes unités de mercenaires. Voilà. On va chercher le monsieur qui est là. On va le tuer en tant qu'affaire. Et une petite marche forcée, allez, oui, une petite marche forcée, ouais. Hop, direction à l'est d'Antaya. C'est pas lui, hein. Lui, il tient, hein. C'est fou. Il est vraiment pas mauvais, hein, ce général. Hein. Et toi, ma reine, tu vas aller là-bas. Voilà, s'il a mis du recrutement à faire, tu seras. Waouh, ça c'est pas mal ça. 210 de richesse de l'industrie, c'est énorme. Là, de la Thracia, elle me rapporte 3500. Et les bâtiments, ils sont pas évolués, hein. C'est ça qu'il faut se dire surtout. C'est qu'au niveau des bâtiments, ça pue un peu. Hein. Ah, ils ont des piquets. S'il m'attaque, ce sera moins drôle, parce qu'il a des piquets. Mais bon, j'ai des lanciers, ça devrait faire l'affaire. Ça devrait bien se passer.
Colossos, non. Allez, attaque. Oh là là. On va le laisser monnaie, on va le laisser, je veux dire. Lever une autre. Quelques troupes. Ça très bat. Ah ouais. Hein? Ça très bat. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Ah ouais. C'est quoi ces massifs? Ouais, voilà. Et là on peut voir, ce sont bien les Arverdes qui sont en péninsule ibérique. Ce que je disais. Au moins on est fixé. À ce niveau là on va plus faire des champs, ce sera mieux au final. Avec un réservoir. Voilà, ici pareil des champs, on va avoir besoin de nourriture. Je préfère en avoir trop que pas assez. Ah, au niveau de Pella, ça fait un certain nombre de tours que on peut faire quelque chose, mais non. Allez, va falloir recruter plus vite que ça, Knossos. Pierre et Tompiles, il recrute pas assez, je trouve. Et Catompiles. Non, Hieraptina. Je crois que c'est plus ça. Ça doit être Hieraptina. Ça me parle un peu plus. Non, toujours pas. Par contre, je veux bien que tu m'attaques. On va attendre qui. Ouais, Nervien et tout. Il y a du Celt là-bas. Allez. Ils sont beaucoup, ils m'attaquent pas. Hein. Pourtant, là. En vrai. Y a un paquet de monde. Est-ce que j'irai pas directement? Non, ce serait méchant. Mais ce serait drôle. Directement à Ponte par là. un petit Pearl Harbor là. Enfin, non, c'est. Non. On est déjà en quart, donc pas de Pearl Harbor, mais. Vous voyez le principe. Ok. Il faut un peu de bonheur public, je crois qu'on en aura besoin. Alors d'ailleurs là-bas, que se passe-t-il? Non, toujours pas de. Toujours pas de mercenaires. Tant mieux dans ce sens. On va passer hein. On va passer les tours. On compte sur Knossos pour nous donner un peu d'action. Même Ponte ils s'y mettent quoi, sérieux. Avec Knossos. On compte sur toi. Ah, de l'action. 5120 contre 2560. Donc 1 pour 2 pile. 1 pour 2 tout pile les gars. Voilà, donc quelques piquiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 piquiers. Il y a autant de piquiers que presque le nombre de corps à corps que j'ai. J'en ai 2, 4, 6, 9. C'est génial. C'est génial. Allez, on va mener la bataille sur le champ. Hein. Bataille de Hieraptina. Hieraptina, pardon. Ah, j'ai inversé les syllabes. C'est pas grave. Tiens. On a frôlé la bataille. Regardez le bord de map. Hein. Regardez le bord de map. On a frôlé la. On a frôlé le fait de pas avoir de fortification encore. Hein. Purée. Ah, je l'aurais eu. Je l'aurais eu mal. Hein. Je l'aurais très mal pris. Encore une fois, vous me direz. C'est normal. C'est un bug pour moi. Enfin, pour moi, c'est un bug. Ça n'a pas été pris en charge, en compte. C'est pas une demande qui a été prise en compte et qui a été transmise au dev. Bref. Feu monté, non. On va se mettre là.
On garde la cavalerie ici. Là, au moins, normalement. Je dis bien, normalement, il n'est pas trop censé y avoir de renfort par là. J'attends de voir. J'attends de voir. Voilà. On peut faire des pieux, là, je crois qu'ils ont un peu de cavalerie. Voilà, je ferai attention à pas emmener la mienne ici, c'est tout. Hop, on arrête les charges avec ça. Alors, doucement quand même. On va pas les mettre les uns sur les autres, ce serait dommage. Tac, tac. Voilà, je vais mettre ça. Je vais en mettre deux ici. Ah ouais, c'est vraiment très très collé. Hein. Ok. Un ici pour se prendre des tirs. Même principe à ce niveau-là. Ah. Oui, non, je peux. Oui. C'est bon. Puis le dernier au cas où ici, hein, mais. Ça m'embêterait un peu là. C'est parti. Donc première armée là-bas. Ok, il y a de la cavalerie. Oui, une, deux, trois. Ouh. Ah, cavalerie tarentine, c'est pas cool ça. Ah, ça attaque par là-bas. Bon, on va se déplacer, bon, on a le temps, on a le temps. Piquer, piquer, ouais. Tous les renforts viendraient de là-bas? C'est pas très très grave. Alors, on va prendre les deux extrémités. Voilà, feu sur la cavalerie tarentine. D'ailleurs, tout ça, mode garde. D'accord, il tire pas. Ouais, je demande que à deux unités de faire feu. Hein. Pas plus. Qu'est-ce... Ah oui, d'accord, oui. Pas gaspiller les munitions tout simplement. On va voir, ça part très très vite. Hop, eux. Hop, on retire le feu à monter. On se replace. Pas de feu à monter. Voilà. Les tirailleuses à Gorgo, de Gorgo plutôt, pas à Gorgo mais de Gorgo, c'est pareil. Hop, alors j'en profite juste pour décaler un peu plus ma cavalerie, on peut voir qu'il y a les unités ennemies là qui arrivent. Wouah, hop, arrêtez le feu là. Allez, une seule, ça devrait suffire. Zoom, zoom, zoom. On arrête le feu. Ouais, voilà, les tours elles font leur travail toutes seules. Voilà. Ici, on a bien fait tactique face à la cavalerie. Je vais ramener des renforts quand même. On ne sait jamais. On l'a vu les gars. Cavalerie tarentine. Allez, toi et toi, je vous veux plus rapidement. Dispo. Ok. On s'avance. Ça fera un peu de pression. Oula, mais qu'est-ce qu'il fait de sortie lui? Ouais, très bien. Ok, je sais pas si... Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Ah, très bien. Donc, ils essaient de sortir là sur mes unités de cavalerie, donc bah tout simplement, bah je vais aller tirer dessus.
Arrêtez le feu, vous. Regardez-moi ça. Voilà, il se prend juste des tirs en fait gratuits, c'est parfait. On recule, on recule, on recule, les gars. On veut pas se faire accrocher par des unités de lanciers. Voilà, regardez. Il se prend des bonnes pertes, hein. C'est simple. C'est un combo jour. Hop, la cavalerie civile ennemie, bah, elle tombe. Hein. Regardez-moi ces hoplites là qui prennent. Bon feu là. Les tactiques face à la cavalerie ici, voilà. Tout cela qui tire, stop. Les bretteurs à l'inothorax, on va tirer dessus. Hein. Ouais, pas ouf au niveau dégâts. Donc qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, voilà, je vais mettre feu à ce bâtiment. Enfin, je vais mettre feu en fait à première ligne de barricade. Voilà, les autres unités elles arrivent petit à petit en plus. Ah, il y a du piqué, j'avais pas vu qu'il y avait du piqué. Allez, on va viser les piqués, ça c'est embêtant. Oh, ça va vite. Oh, ça va vite là. Voilà, les piqués fait général mort et tout le bazar, c'est parfait. Hop, voilà. Double unité de piqué en plus. Hop, les frondeurs là. On va faire feu dessus. On se replace quand même. Hop, qu'est-ce qui se passe là? Je serais quand même pas en train de se retourner sur ma cavalerie. J'ai bien l'impression, hein. Allez, on continue, on tire sur, sur les piquets du coup. Le changement de cible, les gars. Voilà, là, les piquets. Hop là. Et là, tout là. On charge sur les bretteurs là, je veux qu'ils soient pris de toutes parts. Je veux qu'ils passent un mauvais moment là. Allez, on décale ici, on est bien. Attention, coup de même. Hein. Voilà. Les javelots, c'est important là d'avoir le minimum de tirs des javelots là. Hop. Ah, on met la pression les gars, on met la pression, je veux de la pression. Voilà, là ça part. Là c'est quoi? Ça c'est de la cavalerie, ouais c'est pour ça. Ensuite il y a quoi? Milice, milice, ouais, piqué, ah attention piqué. On va les focus hein, clairement. Pas photo. Allez, on se replace les gars. Stop. On n'a pas des unités de piquet dans le coin. Oui, non, si, peut-être. Ouais, c'est tout là. Les murs de bouclier là. Il faut pas qu'ils aient trop de pertes. Ce serait problématique. Voilà, bah dis, eh, comment ça vous faites feu là les frondeurs sur mes cavaliers? Allez, c'est bon là. Ah bah dis donc, c'est compliqué ici hein. What? Comment ça là? Ah c'est les Toulouflois ou comment ça se passe? Non? Oui. Ok, ici c'est bon. On va faire décaler les unités. Parfait, tout ça, parfait. J'ai des unités qui n'ont plus de munitions, on les fait sortir.
Je vais un peu plus clair. Allez, on va derrière, on va mettre le feu là-haut. À ça. Voilà, qu'on puisse charger tranquillement. Là-bas, il faut juste que ça tienne. D'ailleurs, hop. Voilà, on va aller là. Là, je pense que ça me fait un peu plus de pertes. J'aime pas trop ça. Voilà, doucement les gars. Ah ouais. Hop, il y a des pertes là, attention. À ce niveau là-bas, ouais, j'ai bien fait d'emmener des armées. Hop, allez, on décale la cavalerie, elle a fait son travail. Oula, 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 oula. Par contre, attends. On va pas la faire coller, on va pas les faire coller ici, hein. On a vu ce que ça peut faire. Je crois que je viens de perdre un peu de cavalerie. Ah mince, on n'a pas fini le... C'est pas grave. On va les aider. Oups, ça brûle. Piqué, ouais, état d'épuisement, parfait. Là-bas ça tient, qu'est-ce que... Pourquoi ma cavalerie elle... Ok. C'est bon, ça crame ça, c'est très bien. Allez, on charge. C'est quoi ça, c'est de la milisoclite, très bien. Ah, ça vacille ici, hein, ça vacille. Voilà, là on fait ça comme il faut. Là les milices de Hoplite, hop, on va faire feu, ils sont en plein milieu. Ça devrait éviter que je me prenne du tir allié. Alors, on met feu à ça, ça fera des dégâts. Il y a de bonnes unités hein, quand même. Surtout ces unités de piqué qui m'embêtent. Ok, là ça va faire une grosse perte de morale là tout à l'heure. Oh la badie, oh là là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ah ouais. Là d'un coup il s'est passé. Il s'est passé des bonnes choses hein. Allez, on poursuit, on prend une partie de la cavalerie pour poursuivre. Mais quoi. Ah, ce sont mes unités, zut. Allez, tout ça, on va les aider là. Voilà, la bataille elle est gagnée. Parfait. Voilà. Bon, j'aurais eu un peu de perte quand même. Hein. Et là, il n'y a plus qu'à accélérer un peu la bataille. Qu'on voit qu'il y a un gros groupe qui se bat, on va dessus. Alors, ici, là, dépiqué, on va dessus. Là-bas, là, ils sont déjà loin, on va dessus. Allez. Un général, on priorise. Un général, c'est priorité. C'est comme sur le code de la route, quoi. Priorité à droite, balade générale, c'est priorité. Hein. Priorité tout quoi. Hop. Des piquets là-bas. Que tous les follow. Oh, les prêteurs à l'hydothorax là-bas. Allez, ça continue. Hein. On fait des pertes, hein. C'est le but. Hein. La cavalerie, elle est là pour ça. Du moins à la fin. Dans l'armée, bah tu m'étonnes.
des unités de piqué, rien de bien méchant là-bas. Ok, c'est pas mal tout ça. Le général qui prend un niveau. Dommage, quelques unités qui ont pris cher, mais c'est pas très très grave. Oh, il est encore, là, il est encore vivant, lui. Ok, ça bouge, où est-ce que ça bouge? Y a-t-il toujours du mouvement dans les parages? Pas trop. Ah, les piquets là-bas, ils s'en vont nager. Ils vont à la plage. Il restait que 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. Il reste 10 unités, dont certaines bien amochées. La population, je l'ai même pas vue. Hein. Je sais même pas où est-ce que. Non. On va les relâcher, ça fera de l'argent. Parfait. Oh, j'en ai perdu un, Brassus. C'est pas grave. Stratège. Ouais, on va faire une petite stratège. Allez, celle-là. Yes, j'ai pas perdu d'unité en plus. C'est parfait. Voilà, résolution auto. Je vais peut-être en perdre là, mais c'est pas très très grave. Au pire. Allez, on relâche. Et on prend Hieraptina. Hieraptina. Je vais pas y arriver. Et on rase. Et voilà. En plus, on se débarrasse de Knossos. C'est juste parfait. Ok, là, il n'y a pas grand chose à faire. Là non plus, là non plus. Convertir, démanteler. Oui, bah oui, c'est vrai. Alors, je vais faire quand même de. Comment ça s'appelle, des bâtiments qui auront des unités de garnison, parce que bon, c'est un peu perdu en mer. Et j'ai un peu la flemme d'aller défendre aller défendre là-bas. Donc bon, on va faire de la garnison. Pannonia, on va augmenter les impôts, parce qu'apparemment vous êtes riche. Non, apparemment je peux. Voilà, j'ai un édit, donc je vais augmenter un peu les impôts, ça fera plus de revenus. Parce qu'il y a aussi un point négatif hein, à avoir l'Imperium de rang supérieur. C'est. Bah, en fait, c'est tout simplement que. Ça baisse les impôts. En fait, ça. Enfin, ça, non, ça fait pas baisser les impôts, mais ça augmente la corruption. Oui, par exemple, là j'étais là. Coût d'entretien pour toutes les armées, 8%, enfin plus 8, machin. Et là je passe à plus 12% avec 3% de corruption, alors que j'en étais à 2% dans toute la faction. Ok. Il va falloir faire attention. D'ailleurs, on s'entend bien ou pas avec les disciples de la Lune? Ouh! Pourquoi il m'aime pas? Qu'est-ce qu'ils veulent? Révolutionnaire, pardon. Ok, ça j'ai pas. Xénophobe, donc ils aiment pas les Grecs, c'est ça? Ah non. Ah ouais, donc ils aiment pas. Ok, quelque chose. Peut-être falloir s'en débarrasser un jour. Sont pas ouf. Vue stratégique. Ils ont la Pannonie. C'est pas cool ça. Eh ben dis donc, ils ont de l'argent pour monter autant de l'armée. Ah ouais, mais c'est des petites armées. Ah ouais, c'est des morceaux quoi, c'est morcelé.
Ils sont là, les Atrébates? Wow. Ah ouais, c'est... Il y a de l'action par là. J'ai pas des mercenaires. Ah ouais, non, c'est vraiment ça. C'est vraiment que le corruption, l'augmentation de l'entretien. C'est fou, hein. Bon, allez, bon, bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, je vous rappelle, hein, n'hésitez pas à mettre vos idées de noms d'armées dans les commentaires. Voilà, j'en prendrai un. On va dire un par personne. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous propose de me retrouver demain pour le prochain épisode. Allez, c'était Tiob. Ciao!